Et bonsoir, donc nous pas seulement venus là, mais nous sommes un organisateur foi. Et nous prenons Fondat, qui est Fondation haïtienne de développement agricole durable. C'est une organisation locale qui a à la fois institutions privées, entreprises privées qui sont dans le secteur agricole là. Il y a là le secteur privé, il y a là dans l'université et puis il y a l'association producteur là-dedans. Nous travaillons beaucoup plus dans plein du cul-de-sac. Et il y a une observation, il y a un objectif fort là, c'est vraiment pour nous faire promotion, effort, innovation que nous avons dans le secteur agricole et agroalimentaire. Et tout, nous comprenons que il y a un pile, et j'aime dire hier, je suis en présentation qui dit que, par exemple, il y a un problème secteur agricole, il y a un problème de distribution. Et distribution, il n'est pas simplement aussi simple que là, c'est parce qu'il y a un manque d'organisation. C'est un manque de rencontre entre secteurs. Donc, de initiatives comme ça, c'est une étape. C'est juste une étape pour nous permettre que gagne deux liens qui gagnent entre différents acteurs, surtout acteurs qui sont dans le secteur agricole. Par exemple, côté que les gens qui sont dans la production, qui connaissent qui sont les gens qui sont dans la transformation à faire et comment ils sont capables d'orienter les produits. Bien sûr, nous pouvons faire de l'autre activité côté nous capables de mettre les acteurs ensemble pour être capables de réunir, pour être capables de chercher des solutions à problème. Non? Mais l'objectif premier, c'était vraiment mettre valoriser l'effort d'innovation qui a gagné. Mon groupe encore, toujours essayer de faire un petit. Pour moi, c'est un petit bail simple. Elle n'a pas parlé d'innovation. Elle est capable à la fois d'innovation technique, technologique ou bien sociale. Et il y a des petits bagages aussi simples qui sont capables de faire des différences énormes. Par exemple, au niveau de Fondat, nous avons de simples éléments de transplantoire qui permettent que les planteurs, par exemple, soient capables de réduire la quantité de monde que le besoin, côté main-d'œuvre par là, soient capables de réduire la quantité de corps que l'a dépensé. Nous sommes capables de prendre le secteur agroalimentaire, par exemple, un groupe jeune qui mettait ensemble pour faire un harang en poudre. Ça veut dire que nous pas besoin de gourmer, caler un harang ou juste en poudre. Comme si c'était des petits bagages aussi simples. Par exemple, nous avons regardé là, nous avons ICST. Ils ont même fait de la promotion de l'agriculture et verticale, de l'agriculture urbaine, que les gens ne connaissent pas. Mais c'est une possibilité qu'on voit. Ou venir, ou voit ça, on fait. Mais ce n'est pas seulement pour le recopier, ce n'est pas pour le refaire. Bon, si vous voulez faire le reproduire, ou capable de reproduire, bien sûr, ce n'est pas un problème dans ça. Mais tout, ça est capable de permettre que l'imagination dise si monsieur fait ça, je suis capable de faire tel autre, produit. Ouais, donc nous faisons une sorte de chaîne dans la question innovation agricole et agroalimentaire. Donc c'est juste objectif pour nous mettre accent vraiment en phase sur la question effort d'innovation ça qu'a fait dans la société. Bien sûr, son foire qui fait dans deux contextes, dans un contexte socio-économique tout à fait particulier, mais quand même nous capables d'être dans une certaine satisfaction par rapport avec effort de monde qui est présent et effort qu'il a déjà. Que nous avons et interaction déjà qui gagne en différents acteurs. Okay, je veux dire, premier, nous avons pensé, en fait, c'est un pensée pour nous organiser quoi, pour venir concrétiser. Et ce qui sentiment ça dégage la carrière. Écoutez, sentiment est énorme parce que nous avons un contexte, j'aime dire, qui est très difficile. Et pour moi, honnête avec nous, moins quoi que l'a réalisé jusqu'à ce que le réalise. Nous pas jamais baisser les bras pour nous avancer. Mais tout, nous croyons que nous sommes contents. Je passe, échange avec différents exposants. C'est vrai, il pas ça que gagne, mais dans la en majeure partie, les gens sont contents, ils sont satisfaits, ils sont là, ils sont participés, ils sont capables de vendre, ils sont capables de faire connaître, ils sont capables de échanger, que ont fait, ils sont capables de prise de contact, de suivi, par exemple, ils sont capables de solliciter ou solliciter de services que nous gagnons ou bien de l'autre service que différents acteurs gagnent. Donc, nous sommes contents que au moins, ça a réalisé dans le contexte et surtout on a besoin ouf quand même par rapport avec le contexte on a vivre donc nous sommes capables de dire nous sommes déjà contents dans ce sens. Est-ce que nous travaillons sur une nouvelle perspective avec vous? Bon, et faut me dire nous Fondat, c'est vraiment nous mettre accent sur l'effort qu'a fait dans l'innovation. C'est l'innovation qu'on a essayé d'introduire. L'innovation, j'aime dire, elle n'a pas besoin énorme, elle est capable, mais c'est de l'innovation qui est capable de déboucher sur des changements sociaux. Des changements sociaux qui sont capables, soit par exemple, transformer le secteur agricole là, au profit de l'agriculture, là, mais by plus d'opportunités, by plus de matières premières au niveau du secteur agroalimentaire là, pour transformer. Donc c'est juste une première étape par rapport avec un ensemble d'initiatives que nous avons fait. Et il faut me dire que ça rentre dans le cadre et célébration. 10 ans de centre rural de développement durable que sont, qui sont partenariat entre
ministère agriculture, association agriculture et pour nous capables de continuer de travailler, faire vulgarisation. Parce que peut-être que ça sont l'autre débat, il y en a un bagage que nous parfois là dans Haïti, nous pas faire vraiment en pile vulgarisation. Ça veut dire vulgarisation, lien qui gagne, ciment qui gagne entre monde qui dans transformation, monde qui dans production, monde qui dans université a manqué pont ça et c'est pont ça que nous besoin construire entre agriculteurs pour que nous capable faire chaîne marcher d'une façon que tout le monde est capable de bénéficier pour tout le monde et pour tout secteur de manière générale. Donc tout grand pile l'autre initiative que n'a pas comme ça encore. Qui ça motive nous pour nous devenir? Bon, c'est une fierté pour nous, nous-mêmes, en tant que femmes. Et puis en plus, nous sommes une technicienne en agriculture. Nous connaissons qui va l'agriculture dans le pays. Non. Et puis nous mettons tête nous ensemble pour nous participer dans la fois ça, pour nous mettre les produits là qui nous en valeur, malgré grand pile monde qui pas connaît pas tant culture là qui yo. Nous choisissons vendre l'agriculture en tant que jeunes. Nous venons présenter les produits. Non. C'est un plaisir, c'est une fierté pour nous là. Est-ce que nous regardons et achetons? Bon, oui, nous avons dit nous satisfaire, même là, ce n'est pas à 100%, mais quand même nous satisfaire. Parce que les produits sont bons, nous belles, nous en forme, et puis nous encourageons tout. Et c'est notre projet, nous-mêmes, notre travail. Bon, notre travail, nous avons un marché qui est marché paysan, que nous sommes habitués à participer, qui fait notre canastique chaque samedi. Nous continuons à lancer le marché, mais nous avons pris le goût pour nous faire chaque samedi un côté différent. Ça cap organisé jodi an c'est à qui sentiment nous venons faire oh, c'est avec un gros cœur content parce que Pitimi Poban li sorti loin nous sorti dans commune rouge et so a posé une question qui ça qui Poban Poban c'est lieu côté Pitimi en fait donc nous c'est en bande jeune qui veut travailler c'est pas parce que nous pas faire université nous. C'est parce que nous t'as qu'à dire pour prendre mettre nous dans quatre paysans mais c'est là nous sortis c'est ça grandit nous donc malgré nous faire université nous qu'à voyager nous qu'à n'importe côté mais nous voulons faire ça parce que c'est culture nous aimons ça nous voulons tout pour les productions nationales là monter parce que ça est important pour nous. Est-ce que vous satisfait de visite pour nous et mon acheter? Bon oui on acheter mais c'est pas vraiment ça. Objectif là, c'était fait que Pitimi Poban et tout le monde connaît et manger li et puis pour nous arriver loin, pour nous comment il était caillé éparpillé sur tout le territoire national. Là. Ah oui, nous avons plusieurs autres projets en cours et avec Pitimi hein, bien sûr. Nous allons voir comment nous avons une usine dans la commune. Là. Et nous avons fait Malta, bière, tout, pourquoi pas. Et nous avons fait l'autre monde travail. C'est un grand rêve. Et nous avons envie de faire que nous exploiter tout vers les autres pays. C'était un plaisir.
Après, on vient de ça. Nous remarquons le riche miel. Nous trouvons une place à capitaliser. Ici, non, c'est ça qui est animé nous, on est parti dans le pays. Bon, non seulement c'est dans l'occasion 1er mai, fête d'agriculture et de travail, mais c'est une habitude que le riche miel gagne pour participer dans le foire, pour sensibiliser potentiels clients. Et les amants du miel, monde qui compte bon bagage, qui compte miel de qualité, qui remet miel de qualité, miel qui fait dans ruche moderne et qui extrait au moyen d'extracteur. Donc pour être capable faire connaissance avec miel, expliquer au bien faire un miel qui fait dans ruche moderne, un miel qui extrait au moyen d'extracteur. Donc pour santé donc en termes de valeur nutritive. Donc c'est extrêmement important. Donc là que nous connaissons la différence qui gagne entre système moderne, côté où on peut utiliser rouge moderne, extracteur et autres matériels, tout ça que nous avons là. Yo. Et système traditionnel, côté que miel qui fait dans barrique, qui extrait à la main, donc qui n'est pas hygiénique et qui gagne d'autres problèmes de qualité. Ok, donc c'est extrêmement important pour nous faire différence entre deux systèmes yo, parce que vous n'avez pas gagné même et pas gagné même qualité. En termes de qualité, c'est différent. Après, il y a différentes dimensions. Ok? Mais il y a d'autres dimensions que nous ne mettons pas là, qui sont demi-gallon avec gallon, parce que nous sommes obligés de produire ou bien mettre miel dans des récipients pour tout type de client, pour tout type de bourse. Ça dépend de moyens pour être capable d'octroyer le miel, pour être capable de joindre miel, quelle que soit la quantité, quelle que soit la dimension. Donc, ça est extrêmement important. Donc, c'est extrêmement important pour nous faire sensibilisation pour clients, pour potentiels clients, pour les gens qui remet miel, qui remet miel de qualité. Insister sur ça parce que gain miel avec miel. OK, gain miel avec miel, gain miel de qualité et c'est ça qui fait que nous versons nous de préférence dans un système moderne qui assure au maximum qualité miel là et qui c'est un système qui pratiqué donc dans grand pays dans le monde entier. OK, donc parce que c'est pas parce que c'est haïtien qui va consommer miel là qui fait que li obligé fait donc une façon dans piètre condition dans façon qui pas hygiénique etc. ça extrêmement important pour nous. Donc nous connaissons que nous produisons miel de qualité et puis nous mettons prix sous lui. OK, donc laisse ça donc nous permettre à ce que des clients qui capable qui prend une bouteille demi gallon prendre mais un client qui pas capable tout c'est dimension qui plus bas c'est lui que lui qui prend donc lui prend ni donc laisse ça connaître le bon miel de qualité dans même ça extrêmement important. Le riche miel a un siège social dans Léogane, mais cependant, nous travaillons presque dans tout le pays parce que nous ne travaillons pas uniquement dans la production de miel. Donc, c'est un réseau d'apiculteurs qui, depuis la fabrication de ruches modernes, nous avons un atelier qui a fabriqué ruches modernes. Nous faisons vente de matériel apicole, nous avons une formation assistance technique, nous avons des services pour capturer ça, c'est un gros qui vient de la caille. Nous avons nos problèmes, ou bien nous avons souhaité qu'un belli pour nous mettre dans l'espace qui est approprié. Pour nous-mêmes, tout, nous entrons dans la production de miel, là, aucun problème. Nous faisons tout, sans les ventes de matériel, nous développons des partenariats, nous exécutons des projets apicoles et nous sommes embrasser tout ça qui concerne l'apiculture. Donc, depuis, il y a quelconque apiculteur, c'est un système moderne que vous avez. Donc, très probablement, on va bien vous rencontrer avec nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes censés plus ou moins couvrir tout le pays, hein, à part de zones nord avec nord-est qui nous pas trop évoluer là-dedans, mais sud-nip. Plateau central et même Antibonite jusqu'à nord-ouest, nous sommes presque intervenir dans tout le pays, que ce soit dans la formation ou bien dans le domaine moins de là. D'accord, mille merci. Bon, nous comptons participer dans Force et côté que nous exposons trois produits qui sont café Gantita, Metkeo, ensuite Ika Piment Piqué. Café Gantita a une histoire, toute une histoire de elle. Gantita, c'est un grand monde qui était à vivre. Voilà, quand nous qui c'est Baptiste. Chaque matin, tout le monde a passé boire café la Kaili. Nous-mêmes, nous décider de continuer à raconter l'histoire pendant que nous produisons café. Donc café ça, c'est un café ça, c'est un là que nous plantons, ensuite pour nous cueillir et puis pour nous griller. Ça fait 100% produits chimiques, 100% naturels.
nous produisons le tabac 48. C'est qui côté principal? Café à sortir plateau central. Dans une zone qui est bâtie sous Belader, commune Belader. Ça a gagné un an. Oui. En fait, c'est joli expliquer non, café Grand Tita, il sorti Baptiste exactement, nous produit café à tout, mais nous même n'a vivre dans commune Tabar, OK? C'est là nous même nous faire mais café à sorti Tabar. Et quand en Baptiste, OK, même marqué là. Baptiste café d'Haïti. On va connaître une autre question. Est-ce que pendant que nous parlons, est-ce que nous oui, il y a des gens qui achètent, surtout les gens qui sont baptisés exactement. Ce n'est pas café noir, lié, non? Ok? Il y a des gens qui aiment le café noir, ça ne met pas noir, les marron. Je vais connaître une autre question. C'est la première fois dans la baptiste? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Content? Oui, je suis très content. SOADEC, c'est bien dit? Oui, c'est SOADEC, c'est Solidarité Haïtienne pour le Développement Rural de Keskov. Donc, vous sortez Keskov? Exactement. Ça motive nous faire dans le bazar là? Ah bon, nous-mêmes, c'est domaine d'intervention, nous, c'est agriculture, c'est environnement, c'est développement économique. Donc, c'est un plaisir pour nous capables et offrir à grand public là, tout ça que agriculteurs nous-mêmes ont produit en de Keskov. Donc, nous accompagner les planteurs. Juste nous arriver à faire un réseau planteur qui a environ 250 planteurs. Et c'est réseau planteur ça qui produit des légumes de bonne qualité que nous avons offert à grand public. Pendant notre fois ça, est-ce que c'est satisfait? Vous l'achetez? Bon, fois ça, je me dis que c'est petit SOADEC parce que SOADEC lui-même fait grand foire chaque décembre 15 coffres. Et ensemble de participants, ça, c'est le monde que nous avons référé à Fondad pour inviter eux à venir participer dans le foire. Donc c'est un plaisir pour nous toujours participer dans foire renforcer moun yo et là j'on ka remarqué mesdames yo a bien vendre donc nous pas gen problème avec ça nous gen bel produit bon poivron couleur que nous fait sous serre ou après yo gen belle couleur et yo gen bon grosseur tout donc c'est sous serre que nous rive faire OK donc c'est des produits de bonne qualité pas produits importés c'est des produits bon, perspective nous c'est ouais comment nous capable orienter réseau planteur là vers et marché rémunérateur là qui pour permettre que il fait plus l'argent ouais pour plus l'argent entrer dans poche paysan. Donc actuellement là n'a travaille sur un projet pour nous capable si gien chaîne d'hôtel ici que nous capable river faire partenariat avec yo. Nous gien déjà des supermarchés que nous fait partenariat avec yo. Donc n'a pour comment nous capable et faire distribution produits agricoles réseau une façon pour nous renforcer réseau planteur qu'est-ce qu'on fait. Merci beaucoup. On va bien conseiller. Fondada, USA, Pétionville. Nous voilà et où gen gwo préparé. Koko c'est comment? Nazoy. Nazoy. Nazoy jodi a ou vinn nan foire, c'est qui ça qui mène ici là? Eh bien nous alors c'est pas pour la première fois nous a participé dans foire, tant que hier nous t'ai quisqué a jodi nous deux côtés.
nous déléguer comme si moun pour nous faire ça. Alors moi pas PDG Nazoy, moi c'est un représentant yo. Et jodi an nous vini pour nous exposer produit nous pour mettre au plus pour nous mettre au plus en valeur. Nous fait Nazoy, nous fait l'huile essentielle, plus précisément l'huile mascretti. Et puis nous gagnons cocoyé râpé que nous fait tout, nous fait cocoyé râpé. Et puis nous gagnons rhum que nous fait bon. Malheureusement étiquette yo gete fini, mais il y a pistache là-dedans, il y a cannelle là-dedans, il y a safran là-dedans, ni fait avec bon clairin clairin Léogane. Bon bagaille. Tout le monde qui achète témoigne. C'est côté localisation. Comment? Nous sorti Jérémy ensemble avec production. Jérémy nous sorti. Nous gagnons appareil, nous t'es participé dans concours, yo ba nous aide comme si là nous gagnons tout à fait nous installer au Jérémy pour nous faire lui là mais cocoyen nous fait pas bon ici cocoyen c'est nous même qui fait toute bagaille oui me satisfait et bien nous ça c'est presque fini avec toute bagaille regardez nous te gain comme si on paquet grog tout fini c'est de nous rester nous satisfait comment et bien nous on travaille pour nous faire vino plus gros compagnie. N'a pas faire comme si pour nous prendre tout territoire national la net. Vous pensez c'est pour ça n'a travail. Eh bien moi content pour ta parler avec nous. Na 9, merci parce que nous t'es passé là, c'est un réel plaisir pour moi pour me faire parler avec nous. Ah OK. Nous c'est Ali production. Nous t'es exposé Mamba. Mamba à la caille. Confiti, cannelle et farine maïs, farine pomme de terre et Chum chum, chocolat la caille. Nous sommes staff, nous t'es exposé, bien que nous, je dis pas vraiment rien monde, mais demain si Dieu veut nous regarder. Mais nous t'es satisfait quand même de présentation qui fait autour, nous t'es satisfait. Oui, il y a mon cachet, il y a mon visite. Oui. Non, nous pas gagner l'autre projet non, pour le moment ça. Et après, si gagner l'autre projet, on apprend. Nous sommes Juvena, nous qui est Scoff tout, de côté ça.